Eh ouais, ça c'est souvent la réaction qu'on a quand on regarde un programme de course. Avec toutes les informations, comme le tableau des partants, les conditions de course ou encore les fiches des chevaux, on a vite fait de lâcher l'affaire. Dans ce cas-là, trois solutions s'offrent à vous. Soit vous utilisez une boule de cristal, et dans ce cas-là, si vous savez comment ça marche, merci de me passer le message. Ou bien sortir le pendule de votre grand-mère, et là c'est sûr, vous n'allez pas perdre le nord. Et enfin, arrêtez la place au hasard et cherchez à comprendre comment décrypter les informations d'une course de trot. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur HippieWin. Ici on parle pronos, infos et astuces. Dans cette vidéo, je vais donc tout vous dire sur comment choisir ses chevaux à jouer dans une course de trot. On va regarder ensemble où trouver le programme des courses, quelles sont les infos de la course, c'est-à-dire les conditions d'un cheval d'y participer, et enfin en 3, quelles sont les données des partants mises à disposition et surtout comment les comprendre. J'essaierai de faire mon maximum pour être le plus clair et le plus simple possible avec toutes les informations qu'on va rencontrer. Si suite à la vidéo, vous avez des questions, laissez-les en commentaire. On se retrouve juste après le jingle. Boum! La première question à laquelle on va répondre, c'est où trouver le programme des courses? Là, vous avez trois principaux supports. Les journaux papier, que vous allez retrouver chez votre buraliste, qui sont bien évidemment payants. Vous avez là des journaux comme Paris Turf, Paris Course ou encore Le Vénard. Les sites internet, qui sont pour certains des supports web des journaux papier, qui sont la plupart du temps gratuits, mais que pour certains vous demanderont des abonnements afin d'accéder à des informations supplémentaires, comme des interviews, des données supplémentaires sur les chevaux. Parmi ces sites internet, on peut retrouver les sites comme Jenny.com, ParisTurf.com ou encore CarnelTurf.com. Vous avez également Equidia.com, qui là est le diffuseur officiel des courses à la télévision, et également letrot.com qui appartient à la SECF qui s'occupe de l'organisation des courses de trot en France. Et enfin, les sites de paris en ligne qui eux aussi proposent le programme des courses et des informations. Là, vous avez PMU.fr, TheTurf.fr et également GenieBet. Là aussi, on peut retrouver des sites qui englobent journaux, sites internet et sites de paris comme TheTurf qui appartient à Paris Turf. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez le même type d'informations sur tous les supports avec, suivant les journaux et les sites internet, des présentations différentes. Pour cette vidéo, on va utiliser le site Jenny.com, support que j'utilise la plupart du temps pour réaliser mes pronostics sur ma chaîne. On se retrouve dès à présent sur mon ordinateur. Go! Et donc on se retrouve maintenant sur mon ordinateur. Donc on est sur Jenny Course, le site Jenny.com. Ce que je vous recommande, c'est de vous inscrire au site. C'est totalement gratuit et ça vous permet d'accéder à des infos supplémentaires sur les chevaux. Sur la page d'accueil, c'est assez simple. On a la réunion du jour avec les courses qui se sont passées. Et en dessous, la réunion du lendemain afin de préparer vos pronostics pour le lendemain. Nous, vu qu'on va s'intéresser à des courses de trotteurs, on va prendre la réunion 1 à Cannes-sur-Mer sur lequel il y a des courses de trot. Et ça m'ouvre une nouvelle page. Sur cette page, on voit la même chose qu'avant, c'est-à-dire les courses qu'il y a à Cannes-sur-Mer. Ici, il y en a 8. Et ensuite, quand on déroule, on a les courses de Saint-Pardoux, les courses de Pau en réunion 3, etc. Il y a une donnée qui peut être intéressante en haut à droite, c'est un petit calendrier qui vous permet de revenir dans le passé afin de pouvoir visualiser des courses, des arrivées. Ça peut être intéressant pour faire votre pronostic. Donc maintenant, on va aller voir une course afin de comprendre les données des partants et les infos de la course. Donc quand je clique sur Partants, Stats et Pronos, j'arrive sur cette page avec le tableau des partants. Ici, pour les infos d'une course, on va avoir sur l'onglet de gauche une donnée intéressante, c'est les casaques. Donc qu'est-ce que les casaques? Ben, tout simplement, ce sont les tuniques que portent les drivers ou les jockeys des propriétaires des chevaux de la course. Donc vous, ça vous permet également de visualiser un cheval pendant la course. Quand je reviens en arrière, on a des petits plus en haut à gauche, comme des interviews. Donc là, vu que c'est une course support de tiercé, quarté, quinté plus, il n'y en a qu'une par jour, Jenny vous offre des interviews, des drivers et des entraîneurs afin de connaître leurs avis sur les chevaux. Il y a pas mal d'autres onglets, pour ça je vous laisserai vous aller voir de votre côté, c'est pas forcément le but de la vidéo de décrire tout Jenny Course. Sur l'onglet droite, on a les paris qu'on peut engager sur la course, donc là, support tiercé, quarté, quinté plus, et les paris qu'on retrouve sur toutes les courses comme le simple, les couplets et le trio. Si on se focalise maintenant sur les infos de la course, donc on peut voir qu'on a une réunion à Cannes-sur-Mer, R1 veut dire réunion 1, première course, prix de la Côte d'Azur, départ 13h50. On peut aussi visualiser que c'est une course attelée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au trot, vous avez des courses de trot attelées, comme ceci, avec un jockey, ce qu'on appelle un driver, qui se trouve sur un sulky. Mais également des courses de trot montées, où là, un jockey est sur le cheval, et le cheval doit bien évidemment trotter. Autre information qu'on a ici, international et groupe, ça nous permet de savoir quelques indications sur la course,
le niveau, groupe 3, donc ce qui est un niveau assez élevé là pour la course, et international, c'est-à-dire tous les chevaux du monde peuvent s'inscrire à cette course. 120 000 euros, c'est l'allocation de la course, c'est-à-dire que les 7 premiers de la course vont se partager les 120 000 euros de gains. 2900 mètres, la distance. 16 partants, piste en poule aux ânes, à savoir qu'il y a différents types de pistes, même au trot, de l'herbe, du mâche-fer, c'est intéressant aussi à prendre en compte. Et enfin, la corde. Sur les hippodromes de France, il y a différents types de cordes, des hippodromes cordes à gauche, des hippodromes cordes à droite. À savoir qu'un cheval ne tourne pas forcément bien des deux côtés. Un cheval peut très bien tourner à gauche et pas à droite. C'est intéressant à en prendre en compte parce que si vous voyez dans les partants, vous repérez un cheval qui vous intéresse, mais vous vous rendez compte qu'il a beaucoup de performance à droite et peu à gauche, ça peut être un indice pour faire votre pronostic. Au niveau des types de courses, j'en ai pas parlé, il y a différents types de courses. Il y a des courses pour professionnels, dans lesquelles c'est leur métier. Donc ça, c'est pas forcément notifié. Donc quand c'est pas notifié dans une course, c'est que c'est professionnel. Vous avez des courses d'apprentis et là de jockey. Ça, en fait, c'est aussi des professionnels, mais qui n'ont pas encore gagné 50 courses. Du coup, ils ont un statut apprenti et là de jockey. Et enfin, vous avez des courses pour amateurs, où là, généralement, c'est des petits prix. Et là, ce sont des personnes lambda qui font ça pour le plaisir et qui courent des chevaux professionnels. Au niveau des distances, je reviens sur la distance parce qu'il y a quelque chose qui est à prendre en compte, c'est le rendement de distance. Au niveau du rendement de distance, on va prendre un petit peu d'avance sur le tableau des partants. Comme on peut le voir, ici on a différentes distances. Des chevaux partent aux 2925 mètres et des chevaux aux 2950 mètres. C'est-à-dire que les chevaux aux 2950 mètres ont 25 mètres de handicap, donc partent 25 mètres plus loin que les chevaux du premier poteau. Pourquoi? Tout simplement parce que par rapport aux données de la course, ils ont plus de gains. Comme on peut le voir ici dans les données de la course, c'est une course pour 5 à 11 ans, recul de 25 mètres à 305 000 euros, recul de 50 mètres à 655 000 euros. Ici, il n'y a pas de chevaux qui ont plus de 655 000 euros, donc il n'y a pas de recul à 50 mètres. Pourquoi ces chevaux reculent? Car ils ont plus de gains, donc potentiellement ils sont meilleurs. Mais pas forcément. Quand on prend le cheval numéro 1 et 2 qui sont des chevaux étrangers, les allocations dans leur pays sont plus faibles qu'en France. En France, on a très belles allocations, donc les chevaux gagnent vite plus de gains. Donc, nos chevaux ont plus de gains qu'eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs. Autre chose, le cheval peut être également plus âgé. Forcément, un cheval qui a 10 ans aura couru plus de courses qu'un cheval qui a 6 ou 7 ans et potentiellement gagné plus de gains. C'est pas forcément vrai à chaque fois, parce qu'il peut y avoir des facteurs qui rentrent en compte, comme une blessure qui a fait arrêter le cheval, mais l'information du fait que les chevaux rendent la distance est importante à prendre en compte, car il y a certains hippodromes où c'est plus ou moins difficile de rendre la distance. Ensuite, on a les modes de départ. Donc quand c'est pas spécifié, c'est un mode de départ volté. Comme vous pouvez le voir, les chevaux sont rangés par gains. Et du coup par numéro. Quand c'est ce cas-là, c'est un départ volté. Qu'est-ce qu'un départ volté? Le voici en vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, les chevaux s'avancent dans ce qu'on appelle une raquette, et du coup, ici, font un virage à gauche, parce que c'est un hippodrome corde à gauche, et s'élancent. On a également des départs à l'autostar, comme on peut le voir ici, dans la vidéo, où là, les chevaux se rangent derrière une voiture qui dispose d'ailes, avec un numéro, et du coup, s'élancent, ensuite, à grande vitesse. Ces deux modes de départ sont vraiment différents. Des chevaux vont préférer démarrer à la voiture parce qu'ils ont du mal à se mettre en jambes, et d'autres vont préférer aussi le départ volté. Pour comprendre les numéros derrière l'autostar, on va se rendre sur la course numéro 8, ici, car c'est une course au départ à l'autostar. Comme vous pouvez le voir, c'est notifié ici. Ici, on peut voir que les gains des chevaux ne sont pas rangés par ordre croissant, tout simplement parce que les 8 chevaux les plus riches de la course sont tirés au sort pour la première ligne. Et ensuite, les chevaux les moins riches derrière pour la seconde ligne. Ici, à Cannes-sur-Mer, nous avons 8 chevaux en première ligne et 8 chevaux derrière les autres en deuxième ligne. Sur d'autres hippodromes comme Vincennes, c'est 9. D'autres hippodromes plus petits, c'est 7. Ça dépend des hippodromes. Donc voilà comment c'est fait. C'est tout simplement tiré au sort. Donc ça vous permet de savoir que le cheval numéro 2, 3, 4 a un meilleur numéro que le 6 ou le 7. Parce que tout simplement, il est plus facile de partir à la corde vu que les chevaux vont tous chercher à se ranger à la corde avec un numéro 2 ou 3 ou 4, qu'un numéro 6 ou 7, où il va soit devoir faire un effort pour venir à l'avant, soit tout reprendre et aller à l'arrière. Ça l'handicape un petit peu plus. Donc c'est des numéros qui sont moins bons. Mais des chevaux font également l'arrivée avec ces numéros-là. 6, 7, 8, 9. Ça arrive, bien évidemment. Donc on va revenir sur notre course numéro 1, et regarder un petit peu plus en détail le tableau des partants. Ici on a plusieurs onglets. Comme vous pouvez le voir, là on est sur l'onglet chevaux. On a un onglet également driver et entraîneur. L'onglet driver, c'est tout simplement pour regarder les stats des drivers. C'est un peu comme le foot, il y a des plus ou moins bons drivers et des plus ou moins bons entraîneurs. Ça vous permet de visualiser leurs stats, leur nombre de courses courues, leur ratio. Ça peut être un indice pour vos pronos. On a également les chronos, les records. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Et il faut savoir comment est calculé un record.
Au trot, c'est calculé avec une réduction kilométrique, c'est-à-dire que les chevaux sur une distance ici de 2950 mètres vont réaliser un temps par exemple de 2 minutes 40, 2 minutes 50. Et ça, on va le réduire sur 1 km, ce qui nous va faire une réduction au kilomètre. C'est à nuancer. Il y a des gens qui aiment bien utiliser ça, d'autres moins, parce que suivant les hippodromes, les records changent. Des fois, ça veut rien dire. L'état de la piste, si elle est mouillée, on va aller moins vite que si elle est en bon état. Mais c'est un indice à prendre en compte. Vous l'avez absolu, donc son record max. Vous l'avez sur le parcours et sur la distance. Ensuite, quand on revient sur le tableau des partants, nous avons le numéro des chevaux, leur nom, simplement, et à côté, une donnée très importante à prendre en compte dans les courses de trot, le déferrage. Le fait d'enlever les fers enlève du poids sous les pieds, ce qui leur permet d'avoir des actions plus rapides et du coup d'aller plus vite. Mais pas forcément. Globalement, dans 70 à 80% du temps, le déferrage améliore d'une seconde la réduction kilométrique d'un cheval. Mais pas tout le temps. Un cheval qui est souffreteux, qui va avoir mal aux pieds, va préférer avoir des fers et du coup avoir plus de confort et va être meilleur. Pour comprendre ici la donnée, on a un fer barré ou un fer plein. Un fer barré veut dire qu'il est déferré, comme on peut le voir ici pour le numéro 1, déferré des antérieurs et des postérieurs. Un fer plein, comme ici le numéro 6, va être plaqué des antérieurs et le fer barré à l'arrière va montrer qu'il est déferré des postérieurs. Plaqué, c'est quoi? C'est tout simplement le fait qu'on enlève le fer, mais qu'on le protège avec une plaque de cuir très légère qui lui permet, s'il a un petit peu mal au pied, qu'il soit moins souffreteux. Il n'est pas totalement déferré, mais il a une plaque. Du coup, c'est plus léger que s'il avait un fer. Et ensuite, quand il n'y a rien marqué à côté du cheval, c'est que le cheval garde ses fers. Voilà pour le déferrage. Ensuite, l'autre donnée à côté, nous avons l'âge, donc 7, 8, 6, 10, 11 ans dans cette course. Le sexe, donc H, c'est un mâle qui est castré, donc un ongre, M pour mâle et F pour femelle. La distance, on en a parlé un peu avant, le driver et l'entraîneur, sachant que parfois l'entraîneur peut être aussi le driver du cheval et également le propriétaire. Et ensuite, la musique. Donc comment se lit la musique d'un cheval, donc c'est-à-dire ses dernières courses, ça se lit de gauche à droite. Donc, quand on prend le cas du numéro 1, 1er, 4e, D, que veut dire ces chiffres et ces lettres? 1er A veut dire finir premier à l'attelé. DA veut dire disqualifié, le cheval n'a pas le droit de galoper pendant la course. Ensuite on a d'autres données, on peut avoir un M qui signifie monter, donc le cheval a fini, notamment dans le cas du numéro 4, 9e au monté, et ainsi de suite au niveau des performances. Voilà pour la musique. Au niveau des gains, c'est rangé par ordre croissant dans une course voltée comme je vous ai dit, et dans une course à l'autostar, c'est tiré au tirage au sort. Et enfin, vous pouvez avoir une donnée comme les codes des chevaux, qui peuvent être un indice également pour vous pour parier. Si on va un petit peu plus dans le détail, ce que nous propose le site genie.com, on peut cliquer sur un cheval, donc là on va prendre le numéro 1, Pinto Bob, et ça nous ouvre la fiche du cheval, avec là toutes les données un petit peu plus précises du cheval et toutes ses dernières courses. Ici, si c'est pas le cas, je vous conseille de vous mettre à 100, ça vous permet de voir ses 100 dernières courses, il a couru plus de 100 fois. Donc comme on peut le voir, on a le nom du cheval, ses dernières perfs, le nom de l'entraîneur propriétaire driver, le nombre de courses qu'il a couru, son nombre de victoires. Et ensuite, quand on descend, on a toutes ses perfs, et vous pouvez aller directement cliquer sur les perfs, afin parfois d'avoir un commentaire sur sa course. En dessous, une vidéo sous forme d'image, ça vous permet de voir la position du cheval en course, et également les réductions colimétriques, les autres partants. Voilà pour le tableau des partants. Pour compléter, pour vous apporter un peu de ressources sur le génie, quand on descend, on a les pronostics de génie, les pronostics d'une sélection de la rédaction, un bon à savoir qui est un petit peu une note avec un récap de tout ce que je vous ai dit avant sur les chronos, les dernières victoires sur le parcours, toujours des sélections en dessous de confrères, donc c'est-à-dire des journaux différents de genie.com, et en dessous le passé de la course qui peut être un indice, comme vous pouvez le voir ici, les chevaux surlignés en orange ont déjà couru cette course et ont déjà fait l'arrivée. Ça peut être un indice, ça veut dire qu'ils ont bien réussi sur le parcours et dans cette course. Des fois ça marche. Voilà pour cette vidéo où j'ai essayé de vous faire comprendre quelles sont l'ensemble des informations mises à votre disposition pour parier et pronostiquer dans les courses de trot. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plus d'informations sur les courses de trot. Si celle-ci vous a plu, lâchez un petit pouce bleu. Je publie régulièrement mes pronostics sur ma chaîne, allez voir dans la playlist Prono. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, bon jeu à tous, à bientôt.